Antoine Dupont. That is why everyone knows your name. Lovely awareness. Absolute freak. A genius. He has no weakness in his game. Left right-handed passing, left right-handed kicking. Ça fait rêver d'un côté, c'est un rêve de gosse de faire une Coupe du Monde quand même. Brilliantly, but that, to hold someone out from that distance, he's taller than him, he's probably bigger than him and heavier than him, the desire to keep Mac Hansen out there from Antoine. Des souvenirs quand on était petit, tu te rends compte de la portée que ça peut avoir, donc pouvoir y faire partie, ça donne ça donne ça. Aldrit encore lui dans l'axe, oh, la main d'Antoine Dupont. Oui, Antoine Dupont, laissez sur les pantalons. Yes, without question, he is the best player in the world at the moment. Regardez cette cuillère. Si on doit faire une analyse, c'est le Stade français qui est dominateur. Allez, avec ce ballon pour Antoine Dupont. Dupont qui rabute et qui remet son équipe dans le bon sens, qui réussit à trouver une faille dans la défense parisienne. Attention à rester dans l'air de jeu, c'est fait. Introduction to a game. Good scrum though for France. Superb. Dupont once again puts the little dink kick in. He's on the chase here. And Francis Dupont has scored the opening try. And it was a piece of individual. What vision, what accuracy. And enjoy scoring the first try in this World Rugby Under 20 Championship. Et Dupont qui joue encore et qui rabute et qui transperce et qui a les cales et qui va pouvoir donner un coup d'envoi. Le ballon qui est perdu, aussi il perd des ballons. Le petit rabut de Dupont. Dupont qui va donner, non, qui va jouer au pied par-dessus. Et la pression et les cales, regardez, bonne balle. Qui réclame le public. Il faut rien lâcher. Vous êtes heureux que vos fils aient pu connaître ce plaisir d'être babas à leur tour. Ouais, complètement. Je crois que c'est un privilège de se retrouver là. Production France sur cette mêlée, elle est bonne. Dupont derrière, le crochet intérieur. C'est en arrière. Gourdon, allez, on est mieux là. Oh là, il s'est peut-être fait mal aussi. Il est sérieux. C'est pas possible, on est maudit. J'ai peur que ça soit le genou, moi. Non. Commotion. Non, c'est pas commotion. Non, je crois pas que ça soit le commotion. D'après Nigel Owens. Ouais, mais non, là, je pense que c'est sur le crochet intérieur. Oh là 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 là. C'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que sur son crochet intérieur, il a senti ce jeu dérobé. Okay, cool. Oh non. Okay. Oh non. J'ai pas envie de voir. Je le commande non pas, ce ralenti. Moi non plus. On ne voit pas. Hein. On voit pas.
le genou, c'est pas vrai. C'est une joueuse qui nous permet de finir le match à 15. Parce que sinon, c'était une sortie définitive hein, pour Maxime. Ah, j'aime pas voir sortir aux enfants comme ça là. Non, mais c'est triste en plus parce que ce gamin là, il a encore fait une entrée. Je perds Jalibert, perds Dupont. Ouais, mais dès le moment où je me suis blessé, c'est sûr, sur le coup, t'es dégoûté. Et après, deux heures après, j'étais en train de calculer qu'est-ce que j'allais manquer pour quand est-ce que j'allais revenir, quelles échéances il y allait avoir. Et bien sûr, je savais que je revenais en octobre et après, s'il y avait tournée de novembre, tournée destination et direct la Coupe du Monde derrière. Donc, j'avais pas non plus six mois pour me remettre en forme et être performant parce que, après, si, quand tu fais pas le tournoi juste avant la Coupe du Monde, c'est compliqué d'être pris. Donc, c'est sûr que ça m'a donné un boost de motivation supplémentaire. Puis, en plus, le stade tournait bien. Donc, déjà, j'avais vraiment envie de retourner sur le terrain avec vous parce qu'en plus, ça jouait bien. Donc, voilà, c'était. Commencer à me démanger d'être en tribune, mais après, c'est sûr que d'avoir la Coupe du Monde, même pas 12 mois après, ça m'a donné une motivation supplémentaire pour revenir vite. Psychologiquement, c'est quasi impossible de s'y préparer, puisque tant qu'on ne se blesse pas, on se dit ça arrivera pas, je vois pas pourquoi je me blesserai. La blessure, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais sur une phase. Ascendante de ma carrière, on va dire, parce que je suis encore un jeune joueur qui découvrait le niveau international et on était dans les six premiers du top 14 avec tous mes de bons moments pour se blesser, mais c'est vrai que le moment était vraiment pas opportun pour moi. Avantage terminé. Attention, Antoine Dupont, pris intérieur. Heureusement qu'il s'est ravisé finalement. Julien Dumoran était plus prêt, plus disponible pour récupérer cette passe. Au contraire d'Antoine Miquel qui est là. Offensivement. Okay. La réception. Ouais, magnifique. La réception de ce ballon, Antoine Dupont qui sort de la pression, qui enchaîne maintenant le long de la ligne de touche. Quel effort du Dupont. Smith qui garde le bord du rep. Je suis sûr. Regarde si c'est au blocage de McKenzie. Allez, c'est Keenan. Keenan, as in a burst to beat Ramos. Keenan for Hansen. Where's the ball going to finish up? Unbelievable tackle, does brilliantly, but that, to hold someone out from that distance, he's taller than him, he's probably bigger than him and heavier than him. Dans le rythme, encore. T'as aussi fait noir, en puissance, il est stoppé par Marchant. Aldrit encore lui, dans l'axe, le remède pour Antoine Dupont. Oui, Antoine Dupont, laisse ça sous les poteaux. Le compte des Gersois frappé. Antoine Dupont.
Antoine Dupont. Il est parfait, bien Galtier, tout son staff. Ntamack avec Baye. Allez, olé, Jaminet. Il y a de la vitesse, il y a surtout Winnie Antonio. Pour créer un point de fixation, les débléages sont efficaces. Quel début de match des Bleus avec Ntamack qui attaque la ligne. Il pousse les bras. Le chef-d'art d'entrée et l'essai d'Antoine Dupont. Après seulement une minute de jeu. Quel mouvement merveilleux des Bleus. On ne pouvait pas rêver mieux, hein, Mathieu, comme en termes de match. Les Français qui sont dans l'avancée, tout d'abord défensivement avec eux. Ah, quelle aventure des hommes de Fabien Galthié qui nous ont régalé dans ce tournoi des Destinations 2022. On voit l'émotion, bien sûr, d'Antoine Dupont qui écrit avec ses coéquipiers une ligne au palmarès de l'équipe de France. Le 10e, grand chelem après 68, 77, 81. 87, le doublé 81, 17-98, 2004-2010, le dernier, 12 ans après. 2002, vous en avez oublié un. J'en ai oublié un, pardon. 10e grand chelem français. Quel immense bonheur. Cette équipe est faite pour nous procurer ces émotions. Elle nous a régalé tout au long du tournoi. There's no